Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon sanctuaire où je vous propose de découvrir les origines des fêtes et coutumes traditionnelles. Alors préparez-vous un bon chocolat chaud, installez-vous confortablement dans votre canapé et plongez avec moi dans l'univers des célébrations ancestrales. Thanksgiving, ou la fête de l'action de grâce, est une commémoration célébrée chaque année un peu partout dans le monde, mais dont l'origine remonte aux sociétés paysannes européennes et s'est cristallisée au XVIIe siècle dans le folklore historique américain. Cette fête populaire, qui célèbre le partage et l'entraide et dont les festivités se déroulent le 4e jeudi de novembre aux États-Unis, est l'une des plus importantes en Amérique du Nord et donne véritablement le coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année. Si l'on attribue généralement la naissance de Thanksgiving à un épisode célèbre de l'histoire américaine, de semblables célébrations se déroulaient déjà bien avant le XVIIe siècle dans les sociétés paysannes d'Europe. C'était alors la fête de la moisson, où l'on rendait grâce à Dieu par des prières et des réjouissances populaires pour le remercier de l'abondance des récoltes et des bienfaits que l'on avait pu recevoir pendant l'année. Le nom de cette fête vient de l'anglais « thanks » qui veut dire « merci » et du verbe « to give » qui signifie « donner » et dont provient le participe « giving » que l'on peut traduire par « donnant » ou « don ». Le mot « thanksgiving » signifie donc littéralement « merci de donner » ou merci pour ce don. Et les traditions associées à la fête font d'ailleurs particulièrement référence au sens de ce mot, car elles invitent à exprimer ouvertement ce pourquoi on peut être reconnaissant, thankful, et ce pourquoi l'on a envie de dire merci, thank you. Et si Thanksgiving est à l'origine une célébration paysanne et chrétienne, elle est de nos jours une fête laïque où les Américains reconnaissants profitent en famille d'un jour férié. Le premier Thanksgiving officiel de l'histoire remonte à l'arrivée sur le continent américain en 1620 d'une centaine de dissidents anglais descendus du célèbre Mayflower qui fuyaient le régime imposé par l'Église d'Angleterre et qu'on appelle aujourd'hui les Pères Pèlerins. Malgré les dures conditions de vie sur ce nouveau continent, ils s'établirent durablement en Nouvelle-Angleterre et furent à l'origine de la fondation de la colonie de Plymouth et de la ville du même nom. Mais cette première année fut terrible pour les colons, dont la moitié périrent de faim, de froid ou du scorbut. C'est l'intervention de la tribu des Wampanoag, peuple amérindien qui vivait alors sur ces terres, qui a sauvé les pèlerins et contribué à leur survie, car ils leur enseignèrent la pêche, la chasse et surtout la culture du maïs. En remerciement, le gouverneur William Bradford convia l'année suivante la tribu tout entière à un repas de fête, où pèlerins et natifs partagèrent leurs abondantes récoltes. Le premier Thanksgiving était né. Un siècle plus tard, cette commémoration se mêle à d'autres actions de grâce. En 1777, le Congrès prononce un Thanksgiving en pleine Révolution américaine pour remercier Dieu des victoires sur les Britanniques. Au lendemain de la guerre d'indépendance, George Washington, premier président des États-Unis, proclame le premier jour d'action de grâce officiel le jeudi 26 novembre 1789, pour remercier le Créateur de leur avoir accordé l'indépendance. Il faudra toutefois attendre 1863 pour que le jour de Thanksgiving soit instauré comme une fête nationale aux États-Unis par le 16e président Abraham Lincoln, qui fixa la célébration de cette fête au dernier jeudi de novembre. En 1939, Franklin Roosevelt impose la date actuelle de la fête de Thanksgiving au 4e jeudi de novembre, et en fait un jour férié. Thanksgiving est d'ailleurs une fête qui est célébrée partout dans le monde, même si les dates et les traditions sont légèrement différentes, comme au Canada, où elle est fêtée le deuxième lundi d'octobre, ou au Liberia,
où l'Action de Grâce se célèbre le premier jeudi de novembre et commémore la fondation de la nation en 1822 par les colons afro-américains affranchis ou descendants d'esclaves. Si certains mets traditionnels étaient déjà présents lors du premier Thanksgiving de l'histoire, comme la dinde, le maïs ou la citrouille, c'est aussi à Abraham Lincoln que l'on attribue l'origine du menu de ce repas de fête. Dinde farcie, pain de maïs, purée de pommes de terre ou de patates douces, sauce à la canneberge, tarte à la citrouille ou à la noix de pécan, et autres épis de maïs s'invitent ainsi copieusement sur les tables américaines depuis le 19e siècle. Une jolie tradition a d'ailleurs été initiée le 18 novembre 1963 par John Fitzgerald Kennedy, premier président de l'histoire américaine à gracier une dinde de Thanksgiving alors qu'elle lui était offerte par le National Turkey Federation. Il aurait alors déclaré « Laissons celle-ci vivre ». Ironie de l'histoire, 4 jours plus tard, il était assassiné à Dallas. C'est donc officiellement George W. Bush qui, en 1989, a relancé la tradition de gracier une dinde la veille de Thanksgiving. Depuis, chaque année, dès le mois de juin, 2 dindes entrent officiellement en course afin d'être graciées par le président des États-Unis en novembre et de recevoir le titre de National Thanksgiving Turkey de l'année. Traditionnellement, il est donc d'usage de passer le Thanksgiving Day en famille ou entre amis et de partager un repas de fête où chaque invité apporte un plat et exprime sa gratitude. Après la découpe de la dinde, les plus jeunes tentent de casser le wishbone, l'os des vœux, ce petit os en forme de V, censé porter chance lorsque l'on conserve la branche la plus longue. Beaucoup d'Américains profitent également de Thanksgiving pour donner de leur temps aux autres lors de cette période symbolisant l'entraide et le partage. C'est l'occasion pour les congrégations religieuses, les différentes organisations et associations caritatives d'offrir un repas aux personnes âgées et aux plus démunis. La fête de Thanksgiving est aussi la période traditionnelle durant laquelle les équipes de football américain se rencontrent pour conclure la saison sportive, organisant le jour même de l'Action de Grâce ou le week-end férié suivant, des matchs retransmis en direct. Pratiqués à tous les niveaux, des amateurs aux professionnels de la Ligue nationale de football, en passant par les équipes universitaires lors du Turkey Day classique, le match traditionnel de Thanksgiving se regarde donc souvent en famille à la télévision. Un autre sport associé à cette fête, moins connu mais certainement bien plus original, est le Turkey Bowling, c'est-à-dire le bowling à la dinde, qui s'inspire du bowling ordinaire, mais pour lequel les joueurs utilisent une dinde congelée en guise de boule et des bouteilles en plastique comme quilles. La piste doit être une surface lisse, comme les allées de magasin, une patinoire ou une bâche de plastique recouverte de savon. De nombreuses villes américaines donnent aussi le coup d'envoi de la saison des fêtes en organisant des parades de Thanksgiving hautes en couleurs. Fanfares, chars et ballons géants à l'effigie de personnages et de personnalités célèbres défilent et flottent à travers les larges avenues et les grands boulevards. La plus célèbre est la Macy's Thanksgiving Day Parade qui traverse le quartier de Manhattan à New York depuis 1924 et se conclut sur l'arrivée de Santa Claus à Herald Square, lançant les préparatifs des festivités de la saison de Noël. D'ailleurs, le lendemain de Thanksgiving, qui est toujours un vendredi, est baptisé le Black Friday et débute la période des courses de Noël, car c'est le plus grand jour de solde de l'année. Dans tous les magasins américains, dont certains ouvrent dès minuit, mais aussi de nos jours sur tous les sites de vente du monde entier, les boutiques sont prises d'assaut et sont généralement noires de monde pendant 24 heures, d'où l'appellation de Black Friday. Depuis la fin du XXe siècle, il est aussi d'usage de terminer la journée en regardant un film de Thanksgiving. De nombreuses œuvres cinématographiques choisissent en effet cette fête comme cadre principal de l'intrigue. Comme Charlie Brown Thanksgiving, un dessin animé célèbre basé sur la bande dessinée populaire Peanuts de Charles Schulz, dans lequel les Brown, accompagnés de Snoopy,
prépare et partage le repas de Thanksgiving. Ou Anna et ses sœurs de Woody Allen, qui met en scène trois repas de Thanksgiving, marqueur temporel d'un scénario où s'entrecroisent les trajectoires des trois sœurs. Dans Les valeurs de la famille Adams, Mercredi et Pugsley Adams sont forcés de participer à un spectacle évoquant les origines de Thanksgiving de façon raciste. Ils vont alors réécrire la glorieuse histoire de l'Amérique à leur façon. Thanksgiving est aussi la période où se rencontrent Joe et Kathleen, dans Vous avez un message. Les deux New-Yorkais entretiennent une relation épistolaire, amoureuse par Internet, mais en réalité, Kathleen parle sans le savoir au patron de l'entreprise qu'elle déteste, alors que Joe communique avec la propriétaire d'une boutique concurrente qu'il entend bien rayer de la carte. Dans le casse de Central Park, un groupe d'employés de conciergerie de luxe, escroqués par un homme riche qui a profité de leur détresse et de leur méconnaissance de la finance, décide de récupérer leur argent. Ils profitent alors de l'incontournable parade de Macy's pour mettre en place leur vengeance. D'autres films ou séries célèbres mettent aussi à l'honneur la fête de Thanksgiving dans des scènes devenues cultes, comme la blague de la dinde dans Friends, qui reprend le sketch célèbre de Rowan Atkinson dans Merry Christmas, Mr. Bean. Ou le générique du Simpson Horror Show, qui devient pour l'occasion le Thanksgiving of Horror et transforme toute la famille Simpson en dinde. Si elle provient à l'origine de traditions religieuses et culturelles, Thanksgiving est aujourd'hui une commémoration célébrée comme une journée de festivités laïques, au même titre qu'Halloween. Réunissant traditionnellement autour d'un bon repas familles et amis, et célébrant le partage et l'entraide. La fête de Thanksgiving est l'occasion de passer du temps avec ses proches et de se montrer reconnaissant envers les autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles fêtes et coutumes traditionnelles.